solar magnetic influence at -0.362. Batterie, basse, synthé, la formule de Glu se la joue simple et efficace. La musique du trio, elle est arrangée dans le bac inclassable. Et en guise de présentation, Glu balance un slogan. La musique électronique est la réponse musicale de l'ordinateur à l'homme. Glu est la réponse vivante de l'homme à l'ordinateur. On était intéressé par faire de l'électro, enfin faire de la musique habituellement faite par des machines. Que ce soit de la drum and bass ou plus des trucs trans et même techno. Et voilà, c'était le truc de base. On a pas mal jammé autour de ça, on a pas mal développé le futur son du groupe. Mais c'était assez bien dans l'optique de proposer un set qui ferait penser à celui d'un DJ. Donc pas beaucoup d'arrêts, un truc un peu dansant. Quand même se faire plaisir aussi musicalement. Et jouer des trucs qu'on aime bien. En constante recherche, Glu a collaboré avec un rappeur, Deco, pour leur deuxième EP. À la base, Glu, c'est un trio. Ça fait donc pendant des années, on a joué en trio, on a fait notre répertoire comme ça. Et puis on a bossé avec Deco, qui est donc un excellent rappeur venu d'ailleurs, et qui met aussi des samples. Mais on était déjà en train de travailler sur les samples pour le premier EP qu'on a fait il y a 2 ans. Et lui, il s'est trouvé qu'il a commencé à faire ça en concert, en plus de la voix. Mais maintenant, voilà, on a fait un album avec lui, on a fait pas mal de concerts. Mais Glu, ça reste quand même à la base un trio. Pas mal fait du jazz à la base, pas mal fait de hip-hop aussi. On jouait tous les deux dans un projet qui s'appelait Rue des Pêcheries. Et puis on a écouté énormément de musique électronique, à droite à gauche. Et puis il y a quand même aussi toute une influence rock qui est bien là, et même metal un peu à certains moments. Mais ça fait un peu aussi des années que Dorian et moi, on se fait régulièrement écouter des trucs électro, on explore un peu ça.